Les soldats sacrifient tout pour protéger leur pays. Ils passent parfois des années sans voir leur famille et leurs proches, et manquent même certains des moments les plus importants de la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les moments les plus émouvants des retours des soldats à la maison, et chacun d'entre eux est significatif. Si vous êtes prêts, cliquez sur la cloche. La petite amie de ce soldat était sûre qu'il ne pourrait pas rentrer à cause de la pandémie, mais il a trouvé un moyen. Ce soldat est rentré à la maison en plein milieu de l'émission en direct de sa meilleure amie. Et elle a décidé de rendre cet événement inoubliable. Après la fin de leur service au Japon il y a 3 ans, ces hommes étaient sûrs qu'ils ne se reverraient jamais. Mais ils avaient tort. Une maman était en retard pour aller chercher sa fille à l'école, mais c'est parce qu'elle devait s'arrêter pour un autre passager ce jour-là. C'était le frère de la fille, qui était rentré à la maison après une année de service. Difficile de croire qu'il y a 72 heures, ce marin était sur un navire à l'étranger, mais il ne pouvait pas manquer la remise de diplôme de sa petite amie. Voici comment on embrasse quelqu'un qui a parcouru 12 000 km pour cela. Un marine a enregistré un message pour sa famille et sa petite amie les informant qu'il ne pourrait pas rentrer à la maison en raison d'une mission secrète, pour leur faire la meilleure surprise qui soit. Mais ce n'était que la première partie. Après 2 ans de séparation, cette fille avait oublié ce que c'était de voir son père à la maison après l'école, et même le son de sa voix. Le service militaire a placé un pilote chevronné et sa fille sur des côtés opposés de la planète. Lorsqu'on a demandé à Taylor de dire quelques mots à son père, elle était loin de se douter qu'aujourd'hui, il se trouverait seulement de part et d'autre de la pièce. C'était un patient très spécial. Le fils qu'elle n'avait pas vu depuis presque 1 an. Cette fois, c'est au tour du dentiste de pleurer et pas l'inverse. Il restait encore 2 semaines avant que son petit ami ne rentre à la maison. Mais son puissant désir de le voir a transformé 2 semaines en seulement 2 minutes. Jimmy Fallon a demandé à une épouse de militaire de deviner une phrase simple dans son émission. C'est ce qu'elle rêvait d'entendre depuis 2 ans. Your husband is behind you. Your husband is behind you. Cette année de service a été certainement longue pour ce jeune soldat, mais ce câlin semble durer encore plus longtemps. Vous savez que vous êtes un excellent enseignant et la personne de l'année quand vos élèves vous saluent comme ça après 6 mois de service. Un officier de haut rang n'a pas pu passer une seule fête avec sa famille, mais il ne pouvait pas manquer la remise de diplôme de son fils. L'un des plus grands sacrifices qu'un soldat doit faire est d'être loin de ses enfants qui ont tant besoin de lui. Ah, buddy. I miss you. I miss you.
cette fille pensait que la seule chose qu'elle obtiendrait de cette compétition était un lot de consolation. Mais ce qu'elle a vraiment gagné, c'est une réunion avec son grand frère qui venait de rentrer à la maison après une année de service. Cette infirmière ne court pas pour aider un patient, elle court pour embrasser son mari. Il ne pouvait pas la laisser seule après qu'elle ait appris qu'un membre de sa famille proche était entré en soins palliatifs. Un marine a été appelé sous les drapeaux juste avant que sa femme n'accouche. Et maintenant, 6 mois plus tard, il rencontre son fils aîné pour la première fois. Cette fille était en train de peaufiner un saut pour une compétition. Mais cela lui a été plus utile pour faire un gros câlin à son frère. Ses enfants pensaient qu'il déjeunait avec la mascotte de l'école. Mais sous le masque se cachait la mère d'un des garçons qui venait de rentrer de son service du Moyen-Orient. Je vous jure que les mamans peuvent sentir quand leurs enfants ne sont pas loin. C'est ainsi que cette femme a su que son fils était rentré du service 1 mois plus tôt. La petite amie de ce soldat attendait de voir un certain vol spécial apparaître sur le tableau. Et après 1 an et demi, il l'a finalement fait. Un soldat a dit à sa petite amie qu'il lui enverra un cadeau pour son diplôme, mais il n'a pas précisé de quel genre. L'apparition soudaine de son fils a fait que cette maman a failli traverser une vitre. Le marié s'inquiétait que son témoin ne puisse pas assister à son mariage, mais il a ensuite entendu ceci. Son meilleur ami était censé partir à l'étranger pendant près d'un an, mais son déploiement a été miraculeusement reporté. Ce soldat avait un long chemin à parcourir pour rentrer chez lui, mais quelqu'un a décidé de lui tenir compagnie. Avec sa chérie à ses côtés, ce sera certainement le meilleur voyage. Le fils aîné de cette famille a eu l'honneur de frapper le ballon en début de match de football. Mais aucun d'entre eux ne savait que sous le casque d'un joueur se trouvait leur père militaire qui était rentré de l'étranger. Les jambes de cette femme ont lâché quand sa petite amie militaire est rentrée à la maison. Si vous pensez que la famille d'un soldat a la plus grande réaction à son retour, attendez de voir les meilleurs amis de ce type. Ce soldat a été appelé en service la veille de l'accouchement de sa femme. Alors la seule façon pour lui de voir son fils venir au monde était un appel vidéo. Pour les chiens, 3 semaines loin de leur maître semble une éternité. Le petit-fils de ce marine lui a offert l'un des plus beaux cadeaux en suivant ses traces. Et en jugé par les apparences, c'est le meilleur anniversaire qu'il ait jamais eu. Lors d'un exercice à l'aveugle, ce garçon de 9 ans ne comprenait pas pourquoi son adversaire ne se battait pas contre lui. Mais c'est parce que c'était son père qu'il n'avait pas vu depuis 10 mois. Et la meilleure récompense pour ce bon garçon a été le retour de son propriétaire. Non, 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 non.
C'était le pire anniversaire pour le père de ce marin. L'homme ne pouvait pas voir son fils autrement que sur un écran. Mais peut-être pas. Alors que d'autres garçons espéraient recevoir une nouvelle console de jeu pour Noël, tout ce que ce garçon voulait, c'était voir son grand-père revenir du service militaire. Un marine n'a eu qu'un jour de congé à la dernière minute pour pouvoir assister au mariage de sa sœur. Et il en a profité. Une pom-pom girl nommée Angela pensait que son travail consistait simplement à continuer à motiver l'équipe et la foule. Mais elle ne savait pas qu'elle était sur le point de devenir la star de la soirée. Cette famille était sûre que les cadeaux ne pouvaient se trouver que sous l'arbre. Mais le fils aîné a changé les règles. Cette fille n'avait pas vu son grand frère depuis si longtemps qu'elle a cru qu'elle rêvait encore lorsqu'il est entré dans sa chambre. La petite amie de ce soldat a compté chaque jour pendant 193 jours jusqu'à ce qu'ils puissent être réunis. Et le jour est enfin arrivé. Il lui a même apporté un ours en pluche militaire. L'amour des meilleurs amis ne connaît pas de frontières. Ce soldat était censé rester en ligne, mais son désir d'embrasser sa petite amie était plus fort que ses ordres. Cette fille a passé toute la nuit à se demander quoi dire à son petit ami militaire, mais quand elle l'a enfin vu, elle est restée sans voix. Ce père militaire n'avait pas vu son fils depuis si longtemps qu'il pensait encore pouvoir tenir son petit garçon dans ses bras. La famille de ce soldat pensait qu'une photo avec la mascotte serait le meilleur moment de la journée, mais ils avaient tort. La mère d'un soldat s'était résignée au fait que son fils ne serait pas présent à son mariage, mais lui a offert le plus beau cadeau du monde. Ce retour au pays d'un soldat a manifestement été mis en scène, mais ce gars-là a fait du bon boulot. Pouh, il est temps d'aller boire un grand verre d'eau pour se réhydrater après avoir perdu toutes ses larmes. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle vidéo a fait l'effet d'un ninja qui a coupé des oignons près de vos yeux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous voulez voir d'autres moments comme cela. À bientôt.